comme des nomades enflammés. J'ai au caché, j'ai au trouvé. À la recherche de liberté. J'ai au caché, j'ai au trouvé. Prendre le temps de s'arrêter. Chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé. Venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. J'ai au caché, j'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai au caché, j'ai retrouvé. J'y retrouve-nous dans nos voyages. Toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver. J'ai au caché, j'ai au trouvé. Vous apportez de la gaieté. J'ai au caché, j'ai au trouvé. Allez, venez, venez, vous amusez. J'ai au caché, j'ai au trouvé. Salut à tous, nous sommes en Belgique. Apparemment, la Belgique, ça nous va pas trop fort. Nous sommes à Bouillon, ville surpeuplée de véhicules. Impossible de se garer, ils ont mis une aire de camping-car mais à au moins 4 km à pied du centre-ville, donc clairement pour Mamie Nomade c'est pas la peine. On a réussi à trouver un petit coin en bord de route pour se garer, c'est un peu compliqué. Alors on va voir si on trouve que la ville est belle, mais pour l'instant pour les camping-caris c'est pas top parce que ils auraient mis une navette payante, hein, au moins on aurait pu venir en bus sur Bouillon quoi. Mais il n'y a rien. Donc tant pis. On va voir ça, de toute façon je vous en dirai un peu plus après. Voilà, donc on est dans les rues de Bouillon, on va direction le château. Ah, on a notre escargot là, regardez. Lucas, ceux que t'as fait, ils sont beaucoup plus jolis, hein. Oh, c'est mignon ça. C'est les ruelles coupe-gorge comme on aime beaucoup. Ah, c'est quoi tout ça? Ah, c'est pour faire les gaufres. Ouais, c'est mignon. Regardez les appareils à gaufres. J'aurais bien ça dans mon camping-car. J'en ai un, mais il est pas si beau. Les petites gamelles là. Les potolets. Ah, c'est mignon ça. Il y a pas mal d'outils et tout. Des assiettes, des instruments. C'est mignon. Ça, regardez, petit escargot. Bonjour monsieur. Quand je disais que c'était une réelle coupe-gorge, regardez, il y a même le gars qui est là avec son couteau. Donc le château c'est par là et puis ça va, ça monte pas tant que ça finalement. Par contre ils oublient un petit peu les piétons là. En fait on aurait pu se garer par là parce que c'est interdit de 22h à 6h. Donc la journée pour venir visiter vous avez le droit d'être en camping-car. Mais à mon avis il faut arriver de bonne heure parce qu'à mon avis il doit pas y avoir beaucoup de place. Je vais regarder comme ça par curiosité. Ah bah oui, regardez les voitures, elles ont été obligées de se mettre en double fil. Donc il n'y a vraiment pas de place. Voilà. Bouillon City Pass, la ville s'ouvre à vous. C'est quoi ça? Ticket unique, expérience multiple. Oh, c'est pas mal ça, tu payes un ticket unique et tu fais tout ce que tu veux dedans quoi. Ça par contre c'est pas mal. Ah, regardez les jolis canons, et voilà comment ils nous accueillent. Merci. Alors là on va voir, être sur un joli point de vue je pense. C'est quoi cette rivière là du coup? La Semois. Donc voilà, on est sur la vue sur la Semois qui tourne autour de Bouillon, je pense. Ouais. Là aussi, ça c'est important. Ouais. Hop. Regardez la vue. Voilà, on était en bas tout à l'heure. Donc Mamie Nomade ne peut pas venir là. C'est pas possible. Et là, il y a le pont-levis.
Le pont à bascule, ils appellent ça ici. Mmh. C'est un pont-levis comme en France, quoi. Mais il est en bonne. Il est bien, ce pont. Il y a encore même les chaînes là. Là, c'est à mon avis, c'est là où ils ont enfermé les gens, regardez. Les gens en passage. Bonjour, monsieur. Voilà. L'entrée de bouillon est sympa quand même, par contre. Hein. Et à partir de là, c'est payant pour rentrer. C'est ça, hein? Et à partir de là, en fait, vous payez 16 euros pour 3 choses ou 4 choses à faire en même temps. Voilà. Et là, vous pouvez avoir un billet de 0 euros. Regardez, c'est sympa. Pour 2 euros, vous avez un billet de 0 euros de bouillon. C'est quand même bien centré sur le château. Hein. Mais... Oh, Lyon, c'est Géant Vert qui les a perdus ou quoi? Alors là, on descend par un petit chemin. Il sent pas la noisette. Ah, ils veulent le vendre leur truc city là. Leur passe. Hein. Il y a des affiches partout. Hein. Ah, c'est mignon par contre par là. Voilà, hop. Oh, il y a des poissons. Et on va attendre que les gens partent, il y a de l'or ici. Regarde, il y a de l'or. Regarde, il y a de l'or. Voilà, nous étions là-haut tout à l'heure. Et là maintenant, on longe la rivière. C'est Fortnite ça. Le truc là-bas, le... Bon, sur la route, on est à côté de Voynic, comme vous pouvez voir, le fameux sanglier des Ardennes, hein, parce que c'est le... Parce que pour les Ardennes, en fait, c'est un petit peu l'avatar des Ardennes. Et là, je vois qu'il y a une friterie, alors on n'a pas fait de frites en Belgique, alors on va peut-être se prendre une frite ici, alors je ne sais pas s'ils les font au blanc de bœuf, on verra bien. Alors, on s'est arrêté à l'aire de Voynic. Et puis du coup j'ai vu que bah il y avait une friterie, donc on a dit bah on va voir, en plus ils ont des frites au blanc de bœuf, donc on a dit on va goûter, et j'ai pris une fricadelle aussi. Regardez ce qu'on a eu comme frites. C'est ça la fricadelle. Et fricadelle. Alors tout ça, ça nous a coûté 7 euros. C'est sur une aire quand même d'autoroute, je trouve que c'est vraiment pas cher avec toutes les frites qu'ils mettent. Bon, les frites c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Alors qu'est-ce que t'en penses? Elles sont bonnes en plus. Elles sont bonnes, je vais en goûter une comme ça. Elles sont croquantes. Mmh, ouais, très bonnes. Ah oui, très très bonne. Bon, je vais m'en mettre une petite partie un peu plus salée parce que pour moi c'est pas assez salé. Mais tu peux en prendre ça. Moi je vais manger ça. Allez, je vais goûter ça. Alors, j'ai goûté la fricadelle. Comme ils disent dans le film, on sait ce qu'il y a dedans, mais on le dit pas. Mais c'est très bon en fait. Voilà, j'aime bien. Alors, apparemment, c'est les morceaux les moins nobles de la volaille qu'on met dedans. Mais bon, c'est des morceaux quand même à manger, hein. On va pas, ils nous empoisonnent pas, je pense pas. Et les frites, Sans la graisse de bœuf. Au blanc de bœuf, ouais. Magnifique. Ben, on vous reprend plus tard. Nous sommes sur un spot assez sympa. Voilà, regardez, c'est sympa. Il y a une route pas loin, mais peu passante car c'est la campagne. Un petit étang là, apparemment, juste à ma droite. Voilà. Et là, on va essayer d'aller faire une cache de nuit.
Regarde, on est au milieu des champs, il y a le village qui est juste là. On va essayer d'aller faire une cache de nuit parce que c'est un endroit qui s'y prête, qui a l'air sympa. Ils disent que ça peut être sympa d'aller le faire à la tombée de la nuit. Bon, donc je vais les écouter, hein. Je vais y aller à la tombée de la nuit. Voilà, là on arrive à la route. Regardez, on dirait qu'il y a un oiseau là, avec ses deux ailes et tout. Voilà, le village est juste là. Et nous, on est par là. Voilà, un peu à l'écart. Et on va prendre le chemin un peu plus loin. Par là-bas. Par là-bas. Voilà, nous sommes là-bas. Nous allons longer la route juste un tout petit peu et prendre le chemin tout de suite là à droite. Donc voilà, on va pas être trop longtemps sur la route. Et il y a un chat au loin, je vois, dans le champ. Et on a la lune qui se cache pile poil au milieu là dans les nuages. Alors on va prendre le chemin et comme ça on va être tranquille. On va être loin de la route. Ici il y a le cimetière. Avec l'avant tout démoli, une voiture est rentrée dedans apparemment. Elle était peut-être pressée d'y aller. Et voilà, à partir de maintenant, on est dans un chemin, donc avec Dolly, on va être tranquille. Bon, après, sur le bord de la route, je suis un peu tranquille parce que Dolly, elle fait vraiment attention. Elle marche vraiment sur le bord de la route. Elle est très obéissante. Vous voyez, le camping-car, il est là. Donc, hop, juste là. Donc, on va longer et il y a à peu près 1,5 km, 2 km de marche. Allez, donc 4 km aller-retour. Bon, faut que je me dépêche un petit peu parce que les moustiques commencent à me tourner autour. Alors je vais avancer vite, plus je vais avancer vite et puis plus ils vont m'oublier. Hein. Voilà, et Dolly elle est bien devant elle. Regardez ces nuages, c'est hallucinant. Ah, hier on a eu un orage hier soir. Peut-être que c'est pour ça. C'est hallucinant le contraste entre le vert de droite et le marron de gauche avec une belle ligne blanche au milieu, c'est très joli. Alors, il est 22h. Et après une petite demi-heure de marche, bon, vous ne me voyez pas très bien, attendez, il est 22h, et après une petite demi-heure de marche, nous arrivons bientôt au PZ, à peu près dans 50 mètres. Et comme il y a des bois, je vais me dépêcher un petit peu de regarder tous les indices et tout, avant de vous reprendre, et je vous montre ça bien sûr. Oui, parce que qui dit bois, dit moustique. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils vont me tourner vite autour avec la lumière. Donc je vais voir ça tout de suite, apparemment c'est dans ces arbres-là. Alors, ça me dit protégé au sein d'un arbre noueux en son centre, je crois, un truc comme ça. Donc on va se rapprocher, on va voir si on voit ça. Il fait sombre, hein, mais je crois qu'on va tomber dans un endroit assez sympa. C'est pour ça que j'y ai été, parce qu'en plus, il y avait 16 points favoris. Et je crois que c'est assez sympa. En plus, ils nous préconisaient d'y aller le soir. Donc bah, on les écoute, hein. À 23 mètres, ah oui, regardez sur quoi on tombe. Ah là là, regardez ça, magnifique. Bon, on va chercher la cage d'abord et après on fera le tour de. Alors, je sais pas ce qu'il y a là. Il y a une branche. Non, c'est pas ça parce que c'est encore à 10 mètres. Mais c'est quoi ce sac là? C'est du terreau. C'est encore à 10 mètres. Donc, on va s'avancer. Ah ben, il y a un arbre noueux juste là. Bon, je vous dis pas les bestioles qui me tournent autour. Bon. Un arbre noueux. Le problème, c'est qu'il a été creusé. Alors, ah, c'est bon. Je l'ai trouvé. Ah ouais, nickel. Alors, elle mérite ses points favoris, je pense. Regardez ça. Super. Hop. Hop. Alors, voilà la boîte. Une très belle boîte. Boîte type Tupperware de cuisine. Dedans, il y a le logbook avec des petits papiers. Je sais pas ce que c'est, des trucs à gratter, on dirait. Je sais pas trop ce que c'est. Mode d'emploi. Un crayon de papier même pour s'il y a besoin. Et l'explication du géocaching, je pense, et plein de petits papiers. Un autre petit papier, je sais pas ce que c'est. Prenez-vous en photo. Take a picture, prenez-vous en photo. Bon, de toute façon, nous, on va loguer. Il n'y a pas grand chose à faire à part qu'elle est super belle la cache et que ben, c'est dommage que j'ai pas amené mon objet voyageur, mais c'est pas grave. L'endroit de nuit est assez sympa et franchement super hein, cache. Alors comme vous pouvez voir, cette cache mérite vraiment ses points favoris, aussi bien pour l'endroit où elle est cachée parce que c'est super, elle est bien cachée en plus, que pour l'arbre. Oh, je vais pas remettre ça comme ça quand même, faut que je le remette mieux. Ah voilà, nickel.
Voilà, aussi bien pour l'arbre qui a été trouvé, qui est magnifique. Regardez ça. On dirait que ça fait un cœur en plus. Regardez, magnifique arbre. Que pour le lieu, je vais vous montrer. Parce que bah, quand vous tombez là-dessus, franchement, c'est cool quoi. Regardez ça. De nuit, c'est cool. Hein. Je pense pas qu'elle soit ouverte, mais je vais quand même regarder. Bon, il y a une serrure, hein, donc. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, elle n'est pas ouverte. Bon, c'est logique de nuit. Mais franchement, je vais faire le tour quand même pour voir. Elle est très belle, cette chapelle. Avec des jolis vitraux. Et puis de nuit, ça ramène quelque chose de super sympa. Regardez ça. Alors, on est vraiment dans un endroit, dans les bois, là. C'est... Ah ben, regarde, il récupère l'eau de pluie. En plus, c'est cool pour arroser, hein. Donc c'est pas mal. Hein. Là franchement c'est avec la pleine lune là-bas. Regardez ça. Oh là là. Eh, c'est pas sympa. Bon, ce qui est dommage c'est qu'on peut ils puissent pas rentrer dedans, mais bon je peux comprendre de nuit. Ils veulent pas que les gens cassent. Oh ben il y a un petit stock de bois là, c'est cool. Voilà. On va aller voir par là. L'arbre tortueux qui est... Regardez, l'arbre tortueux qui est juste là. Voilà, l'église là. Un petit stock de bois. On va par là. Il y a des arbres fruitiers, on dirait, qui ont été installés. Encore un petit stock de bois. Juste là. Ah, c'est cool. Regardez, encore des arbres fruitiers. C'est sympa de se promener la nuit comme ça dans des forêts comme ça. Bon, après, il y a des orties, hein, donc on va peut-être pas aller plus loin. Et puis, en plus, il y a plein de... Ça va, les moustiques, il n'y en a pas trop. Oh, j'ai gêné un canard. Bon, allez, on va pas gêner plus que ça. Regardez, regardez comme elle est belle par là. Regardez ça. C'est cool, hein. Regardez. Ça fait très lugubre. J'aime beaucoup. Bon, désolé, je t'ai embêté, petit oiseau. Ça fait très, très, très lugubre et j'aime beaucoup. Avec la lune, bon, que pas pleine, hein, mais on aurait pu la faire en soir de pleine lune, ça aurait été cool. Et voilà, nous réatterrissons devant cette chapelle magnifique. Voilà. Je vous la remontre. Ça fait plaisir de tomber là-dessus de nuit. Et oui, le géocaching apporte beaucoup d'endroits sympas comme ça. On fait des belles découvertes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est pince oreille en tout cas. Bon. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas où c'est que je vais mettre cette vidéo. Parce que bien sûr, elle tombe... comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, donc du coup, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Voilà, je marche dans le noir comme ça. J'entends que Dolly devant. Je vois à peine son ombre. Vous la voyez encore moins, mais moi, je vois à peine sa forme devant moi. Et ouais, j'aime bien marcher dans le noir complet, moi. Je trouve que c'est sympa. Voilà.